Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite entrée très sympa qui se fait dans les moules grand muffins. Et donc, c'est à base de champignons, de saumon, de brocoli et avec une sauce très sympathique aussi que je vais vous parler. Donc voilà, alors ça se compose ainsi. J'ai fait déjà d'avance cuire mes champignons. Donc en ce moment, je fais beaucoup de drive, ça fait que je ne choisis pas, donc les champignons, en principe, on les prend plutôt moyens. Là, comme ils étaient gros, je les ai coupés en deux. Donc je les ai juste fait revenir pour que ça rende l'eau. J'ai fait ébouillanter mes têtes de brocoli 2 minutes dans l'eau bouillante. Et puis, bah, maintenant, nous allons mixer tout. Donc, je vais mettre mon saumon frais dans le robot. Donc le robot va me servir aujourd'hui à mixer. Les têtes de champignons, les petites champignons que j'ai gardées, je vais rajouter. Les œufs, donc je vous mettrai toutes les proportions avec la vidéo. Donc la crème, les œufs, la crème. Je vais mettre du sel. Du poivre. Donc j'ai haché ma muscade, hein. Elle est sur notre boutique, elles sont vraiment très très bonnes. Donc je l'ai, voilà, ma muscade et un peu d'aneth. Donc je mixe tout, voilà, l'ensemble est bien mixé. Donc ça monte un petit peu, hein, la crème monte. Et maintenant je vais répartir dans mes 6 empreintes, j'en fais que 6, hein. Je vous mettrai la proportion pour 12, hein, par contre. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait une belle mousse. Donc je vais remplir. Donc voilà, je vais mettre ça dans la poche à douille. Quand c'est du poisson frais ou de la viande fraîche aussi, pas cuite, hein, de la crue, voilà, pour chercher le mot, je prends les poches jetables. Hein. Voilà. Et donc là, je vais remplir un fond. Alors, laissez-moi. Juste un petit fond. Donc j'y mets donc dessus ma farce le champignon. Alors c'est une recette poétique parce que on fait un montage à l'envers. Et donc quand vous allez démouler, le champignon va vous représenter le nuage. Je remets un petit peu de mousse dessus. Et maintenant, je vais y mettre le brocoli, donc à l'envers aussi, et le brocoli va vous représenter l'arbre. Donc, je vais remettre une petite couche sur mon brocoli de farce. Et je vais remettre de l'aneth. Alors l'aneth va représenter l'herbe. Donc je vais remettre à chaque fois, en fin de compte, on remet un petit peu de mousse. Hein. Je vais maintenant y mettre du saumon fumé. Donc ça c'est pareil, je me suis fait un peu avoir parce que c'est les tranches toutes prêtes pour les cakes et tout ça, mais ça a l'air d'aller quand même. Allez. Le saumon fumé représente la terre et je recouvre encore un petit peu de farce. Donc j'étale bien avec cette petite spatule qui sert vraiment bien à tout.
Et donc, on va faire cuire 15 minutes à 160 degrés. Alors, le petit truc aussi dans cette cuisson, c'est que l'on va y mettre la cipate, la toile de cuisson. Et voilà, et on va au fond pour 15 minutes. Donc, pendant que ça cuit, je vais faire la petite sauce. Alors, ce que j'aime bien, c'est manger la terrine chaude ou tiède avec la petite sauce froide. Donc, la sauce, c'est crème épaisse, un peu de crème liquide, de la gelée de groseille et du curry. Voilà, un peu de poivre. Et notre petite cuillère magique qui sert si bien à toutes sortes de choses. Donc voilà. Et là, la crème sera froide, elle. Je vais la laisser au réfrigérateur et je la servirai avec mes terrines chaudes. Voilà, voilà. Et donc c'est terminé pour aujourd'hui. Alors toujours les 10 euros pour les personnes qui n'ont jamais commandé sur notre boutique. Si vous avez envisagé de commander, mettez-moi un message en privé avant et je vous dirai quel code il vous faut pour avoir 10 euros de remise. Donc c'est jusqu'au 20, jusque lundi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.